C'est ce qu'on appelle le magicien du subconscient. Ça veut dire quoi? C'est que je me sers de votre subconscient pour faire des tours de magie à l'intérieur de vous. Regardez. Maintenant, on va bien. Le petit doigt a disparu. Comptez votre main gauche, s'il vous plaît. Attendez, je prends le micro. 1, 2, 3, 4. On va faire autrement. Hein. Comptez la main droite. 1, 2, 3, 4, 5. Le gars, il est barman. Je voudrais un glaçon, un whisky avec un doigt de citron. Alors, recomptez la main gauche. 1, 2, 3, 4. Super. Votre petit doigt a disparu. Alors, votre petit doigt, Franck. Vous voyez le monsieur là, qui est en face de nous là. Bon, qui n'a pas l'air d'être comme un, hein, de base. Hein. Bon. Il vous a pris votre petit doigt. Alors, ce que vous allez faire, ouais, vous allez lui demander gentiment votre petit doigt de qui vous le rend. Allez-y. Est-ce que tu peux me ramener mon petit doigt, s'il te plaît? Ça, c'est genre le truc qu'on oublie, toi, quand on va quelque part, on perd notre doigt. Bon, alors, je crois qu'il ne comprend pas. Enfin, si vous voulez, je pense que, bon, le gars, il ne veut pas coopérer. Alors, ce qu'on va faire, Franck, vous allez lui demander dans un ton un peu plus grave. Allez-y. Oh, mon petit doigt! Donc là, maintenant, je vais vous dire un truc. Ça vous fait vraiment pas plaisir. Allez-y. Putain, mais mon petit doigt, merde! Bon, le mec, il est quand même balèze. Hein, je veux dire, on va peut-être y aller doucement. Je crois qu'il fallait mettre la douceur. Ça vous fait pleurer. Chut! Vous êtes triste, allez-y. Demandez votre petit doigt. Est-ce qu'on peut avoir mon petit doigt, s'il te plaît? Moi, je crois que c'est fort, hein, c'est puissant, mais monsieur, hein, regardez bien. Il est revenu le petit doigt. Dites-lui merci. Merci. C'est bon, vous poussez les bras. Merci. Voilà. C'est impressionnant, hein, c'est sympa. Hein, hein. On peut aller s'asseoir, merci pour lui, on peut l'applaudir. Hein, voilà.